Julien Ngoy et Smail Privéliak. Milieu offensif Onur Kaya. Et devant lui, eh bien, Kerim Rbati. La balle arrive chez Storm. Storm et le bon retour ici de Emmanuel Agbadou. Ça va revenir. Storm. Storm cette fois-ci. Et cette balle passe à côté du but. Mais il y avait une position de hors-jeu signalée par l'assistant. On part du ballon, on joue depuis 19 minutes pour l'instant. Et on attend toujours les grosses occasions. Julien Ngoy, Ngoy qui est passé. Ngoy toujours pour le but peut-être. Et voici l'ouverture du score pour la S Open. Il suffisait de le dire. Il suffisait de le dire. La S Open qui prend les commandes. C'est 1-0. On va tromper Gaëtan Cook. Très bon travail. Il passe de vitesse face à Jordi Van Lerberg qui est pas assez rapide, pas assez réactif et qui se fait avoir, ce qui permet à la S-Open de prendre les commandes. C'est 1-0 ici au Kerouac. Onur Kaya avec Sjöfs. Sjöfs en retrait, il y a Storm, il y a également Van Damme. Van Damme qui peut frapper, Van Damme. Théo de Fourny, le ballon a été dévié. Très bel arrêt ici de Théo de Fourny. Kaya avec Storm. Sjöfs qui retrouve Kaya, le centre de Kaya. Van Damme! Et l'arrêt de Théo de Fourny. Et Walsh qui rentre dans le jeu pour venir mettre un peu de soutien dans ce rectangle. Sjöfs! C'est sur de Fourny. Ballon qui traîne. Et finalement capté en deux temps par Théo de Fourny. De Fourny. Walsh, qui arrive chez Mrabti. Mrabti peut-être de Fourny. Et ça file de peu à côté du but. Quel arrêt de nouveau de Théo de Fourny face à Kerim Mrabti. Storm, le centre rentrant de Storm. Cette balle qui passe juste au-dessus. Sandy Walsh, le danger s'approche. Hein. Jordan pour Babi. Ah, il est rapide, Babi, et il est passé face à Van Lerberg. Babi pour Ngoy. Ngoy, ça passe de peu à côté. Ah, elle était là, la balle du 2-0. C'est donc son 8e et son 2e en tant que non-titulaire. Tamara Babi. C'est repoussé par Gaëtan Cook. Peters, il y a l'appel d'un Babi. Va-t-elle arriver chez Babi? Wernerson, Babi peut-être pour le 2e. Babi! Et ça passe de peu à côté du but. Amara Babi. Oh là là. On pense à l'occasion manquée de Ngoy à tantôt. Également en très bonne position. Attention ici au compte Togi. Et bien Malin également. Passe à côté du but. William Togi. Sjöfs. Sjöfs, ça revient chez Sjöfs. Sjöfs toujours. Ça traîne! Et ça finit au fond! Rob Sjöfs qui égalise pour Malin. Un but partout. Et tout le monde est écroulé dans la défense des Pandas. Offre donc l'égalisation au KV Malin. Et Théo de Fourny qui va pouvoir se dégager. Alors que l'arbitre de la rencontre, Jasper Verkroot, met un terme à cette partie. Un but partout entre Penn et Malines.